Boker Tov, nous sommes le 20 octobre 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Qualita. De nos studios de Jérusalem. Et oui, direction nos studios dans la capitale israélienne avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous allons commencer ce matin par une bonne nouvelle, encore des données encourageantes dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Et oui, Ilana Boker Tov, la baisse se poursuit. Selon des données non définitives encore, on a recensé hier moins de 900 nouveaux malades graves en Israël. Le taux de positivité est passé pour la première fois depuis de longs mois en deçà du seuil de 1%. Le nombre de malades graves baisse lui aussi à 353 malades graves, dont la moitié sont sous assistance respiratoire. Et hier, on n'a pas recensé le moindre décès en Israël du coronavirus, et le nombre de décès depuis le début de l'épidémie est de 8021. Ceci étant, les services médicaux ont repéré le premier malade d'un nouveau variant. Il s'agit du AY4,2. Il s'agit d'un enfant qui est revenu de Moldavie et qui a contracté apparemment sur place le virus, ce virus qui frappe déjà plusieurs pays européens. Le jeune garçon a été placé en quarantaine. Sur le plan sécuritaire, à présent, à noter ces tensions très vives hier soir près de la porte de Damas à Jérusalem. Oui, la police a dû faire face à plusieurs centaines de manifestants palestiniens qui ont lancé des pierres en direction des policiers israéliens, mais également en direction des autobus qui effectuent la liaison avec le Kotel, le mur occidental. L'un des policiers israéliens qui s'est senti menacé a effectué des tirs de sommation. Et puis à Hebron hier, un soldat a été légèrement blessé par le jet d'une pierre. Cela s'est passé lors des meutes palestiniennes à proximité du quartier juif de la Cité des Patriarches. Et puis sécurité toujours, le Shin Bet et Tsahal seront directement impliqués dans la lutte contre la délinquance meurtrière dans le secteur arabe israélien. Oui, c'est en effet ce qui ressort d'un vaste plan d'action gouvernementale qui doit être validé prochainement pour lutter plus efficacement contre les actes de violence aiguë dans la communauté des Arabes israéliens. Selon ce plan, un état-major conjoint spécialement chargé de cette lutte sera formé dans les deux prochaines semaines. Cet état-major regroupera des responsables de la police, du Shin Bet, mais aussi de l'armée israélienne. Le principal défi de cet état-major sera de lutter pour confisquer un maximum d'armes parmi les milliers, voire les dizaines de milliers d'armes à feu qui sont détenues illégalement par les Arabes israéliens. Qui plus est, la police devrait recevoir le renfort de 1200 nouveaux policiers et de deux pelotons de gardes frontières qui seront chargés plus spécifiquement de cette campagne. Et puis, dans le reste de l'actualité, c'est officiel, Tom Nides sera le prochain ambassadeur des États-Unis en Israël. Oui, la commission des affaires étrangères du Sénat américain a validé sa nomination la nuit dernière. Tom Nides est un ancien banquier de la banque Morgan Stanley et du Crédit Suisse. Il avait également rejoint l'administration Clinton sous Barack Obama. Il n'avait pas caché à l'époque son soutien aux Palestiniens. S'il s'était opposé au désir des Républicains de retirer l'aide américaine à l'UNRWA, qui s'occupe, vous le savez, des réfugiés palestiniens, en tant que spécialiste finance, il avait joué un rôle important dans l'approbation par Barack Obama d'une augmentation sensible des garanties bancaires faites à Israël par les États-Unis. L'un des premiers dossiers que Tom Nides devra gérer sera l'ouverture ou non d'un consulat général des États-Unis à Jérusalem pour servir uniquement la population palestinienne, une ouverture qui suscite d'ores et déjà une polémique et même un très vif débat au sein de la coalition gouvernementale en Israël. Et puis on en a beaucoup parlé sur Radio J du fameux Mazor Luzzatto, manuscrit centenaire qui appartenait à l'Alliance Israélite Universelle. Il a été vendu hier aux enchères à New York pour une somme considérable. Et oui, effectivement, il en a 8 300 000 $. C'est le montant annoncé par un acheteur privé pour l'achat de ce Mazor unique datant du XIIIe siècle et donc écrit et enluminé à la main, qui a été mis aux enchères hier soir à New York. La valeur marchande de ce splendide Mazor était estimée entre 4 et 6 millions de dollars. Il a donc été vendu bien plus cher qu'on ne le pensait à l'origine. L'acquéreur est un juif américain dont l'identité n'a apparemment pour l'instant pas été révélée. Il appartenait jusque-là à l'Alliance israélite universelle qui a dû s'en séparer pour financer grâce à cette somme les services de la grande bibliothèque de l'Alliance qui est la bibliothèque juive la plus importante de France et d'Europe. Il faut souligner que Sotheby's qui a organisé la vente aux enchères à New York a précisé qu'il s'agissait là du Mazor le plus important qui ait été donné de vendre aux enchères au cours des 100 dernières années. Et ce matin, le Israel Hayom, nous commençons d'une certaine manière un peu la revue de la presse, cite des experts de Sotheby's qui se demandent pourquoi Israël ne s'est pas mobilisé pour acquérir cette pièce rarissime. Le quotidien gratuit a posé la question à la Bibliothèque nationale de Jérusalem qui a répondu que le prix de vente du Mazor était dans le cas précis trop élevé.
Une page météo, le temps sera toujours partiellement nuageux avec des risques de pluie éparses dans le nord et l'est du pays. Demain, hausse des températures qui resteront pour l'instant en deçà de la moyenne saisonnière. Il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat.